Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas encore confirmé s'ils assisteront au couronnement du roi Charles. Le prince Harry voudrait avoir une réunion avec le prince William et le roi Charles avant de prendre une décision sur le couronnement. Le duc de Sussex a mentionné dans des interviews qu'il a publiées pour lancer la publication de ses mémoires le 10 janvier qu'il souhaitait avoir des discussions avec ses proches avant l'événement historique. Et, selon une source, rien n'a changé depuis la dernière fois que le duc de Sussex s'est adressé à la presse. Une source a déclaré au Mirror, Harry a été très clair et sa position n'a pas changé, il ne viendra pas s'il sent que l'atmosphère sera aussi toxique qu'elle l'était lors du jubilé de platine et des funérailles de la reine. Il a dit qu'il voulait se réconcilier avec sa famille et c'est le rappel, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Harry et Meghan, ajoute le rapport, n'ont pas encore décidé s'ils assisteront au couronnement historique du roi Charles à l'abbaye de Westminster en mai. Interviewé par Tom Bradby d'EITV avant la publication de ses mémoires Spare, Harry a déclaré lorsqu'on lui a demandé d'assister au couronnement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais, vous savez, la porte est toujours ouverte. La balle est dans leur camp. Il y a beaucoup à discuter et j'espère vraiment qu'ils pourront, qu'ils sont prêts à s'asseoir et à en parler, car il s'est passé beaucoup de choses en 6 ans. Et avant cela également. Néanmoins, la famille royale s'attend pleinement à ce que le couple traverse les temps d'ici quelques semaines pour assister au couronnement.